En fait, est-il les guéribis? En fait, il est-il les guéribis? C'est une chanson que j'ai chanté au Chili parce que on est allé au Chili il y a 2 ans et puis j'avais jamais été au Chili de ma vie. On a rencontré ses parents, des personnes fantastiques, extraordinaires. Et puis en plus, j'en ai profité pas pour être en vacances, pour faire des chansons. Et puis j'ai traduit mes chansons en espagnol. J'ai fait un album que je suis allé chanter dans les plazas là-bas. Et puis là-bas, c'est pas comme ici. Ici, ils nous disent Mais non, on peut bien chanter qu'un micro sur la rue, c'est comme oublie ça, c'est trop fort, ça dérange le monde. Là-bas, au Chili, c'est jamais assez fort. Je suis arrivé là avec mon envie. Qui était quand même trop puissant pour Québec, parce qu'ils me l'ont passé de justesse, malgré ils me l'ont tellement passé de justesse que cette année, c'était non. Mais là-bas au Chili, j'avais beau le monter, c'était pas encore assez fort. Ils m'ont dit, écoute, achète-toi des colonnes de son. Des colonnes de son. Puis les gens étaient tout autour de moi, puis tassés, hein, étaient là. Des centaines de personnes tassées sur les haut-parleurs pour entendre ce que je chantais. Puis une des chansons qui était connue, il y en a les miracles naturellement, c'était bien fun. Mais une des chansons qui était connue aussi, surtout des jeunes là-bas, c'est Chanter pour changer. J'appelais ça Cantar para cambiar. Chanter pour changer, c'est l'histoire du petit bonhomme qui dérange le monde. J'espère que je ne vous dérangerai pas. En tout cas. Ce que tu voulais changer, pense que tu as rêvé.
Merci, merci. Ça a voyagé un peu. Cette semaine voyageait